Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Vous avez été plusieurs à me demander un tuto sur ce junk journal que je mets dans mon sac. Donc, j'ai un peu de temps, donc je vais vous faire ce petit tuto. Donc, pour ça, il va vous falloir des enveloppes. C'est un junk avec trois enveloppes. En ce qui concerne les enveloppes, il ne faut pas ce type d'enveloppe que l'on rabat, celui-là, on rabat et on colle. Parce que une fois qu'on a ouvert, ici, là, il y a très très peu de... Il y a un demi-centimètre. Et c'est pas suffisant pour coller déjà trois enveloppes et puis pour pouvoir mettre la main dedans, mettre des choses dedans et mettre des livrets, c'est trop petit. Donc, si vous pouvez, ce genre d'enveloppe, eh bien, il faut éviter. Après, si on rabat ici... En fait, l'espace du coup devient beaucoup trop grand. Donc, on va privilégier plutôt ce type d'enveloppe. C'est, vous savez, l'enveloppe avec le petit papier que l'on tire et qui est autocollante. Et donc, du coup, l'espace qui est ici est beaucoup plus important. Et donc, ça va nous laisser la place de mettre nos livrets. Ça va nous laisser la place de passer nos mains pour mettre des petites choses à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, il vous en faut trois comme ceci. Bon, moi, évidemment, quand j'ai préparé, je n'en avais plus que deux. Donc, j'en ai pris deux. Et la troisième, eh bien, en fait, c'est une araba, mais que j'ai bidouillée. Donc, du coup, ça va être un petit peu juste parce que, du coup, ce petit araba aussi est bien plus petit que celui-là. Vous voyez, hein, si je les mets côte à côte, ce araba est bien plus grand que celui-ci. Bon, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc, alors, on va commencer par ce qu'il vous faut. Alors, il vous faut, pour commencer, donc, trois enveloppes, comme ceci, vieillies au café. Enfin, moi, je les ai vieillies au café, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc, il en faut trois. Trois comme ceci. Ensuite, il vous faut une feuille de papier 30-30, une feuille de papier décor 30-30. Bon, moi, j'ai ce papier-là. Il ne fait plus 30-30 parce que je me suis un petit peu avancée, donc j'ai déjà commencé à découper. Donc, il vous faut une feuille de papier décor 30-30. Ensuite, il vous faut 10 feuilles de papier vieilli au café ou 10 feuilles de papier comme vous voulez. Hein, vous avez le... Ça, c'est comme bon vous semble. Hein. Moi, j'ai... Alors, c'est 2 fois 5 feuilles. Parce que plié en deux, ça fera 2 livrets de 10 pages. Donc, c'est bien. Moi, j'en ai vieilli quelques-unes. Donc, voilà. 10 feuilles. Ensuite, il vous faudra donc du ruban froissé ou quelque chose pour penser à la fermeture, pour pouvoir le fermer. Il vous faudra du masking tape ou du micropore. Moi, j'utilise les deux, comme vous voulez. Si vous n'avez pas de micropore, utilisez du masking tape. Du fil et une aiguille, évidemment, pour coudre. Et puis après, les embellissements que vous aurez choisis pour l'intérieur, pour la couverture, pour ce que vous voudrez. Moi, j'avais choisi, voilà, j'ai fait des paperclips avec des petits nœuds parce que j'aime beaucoup les petits nœuds. Après, la déco, hein, c'est comme vous voulez. Donc, on va commencer. Hein. Donc, je me suis un petit peu avancée parce que, évidemment, je voulais pas que cette vidéo dure non plus trop trop longtemps. Hein. Je sais que c'est pas, il y a des choses qui sont un peu rébarbatives. Donc, tout ce qui pouvait être fait, ce qui devait être fait en plusieurs exemplaires, je les ai préparés à l'avance. Donc, on va commencer par les enveloppes. Donc, on va prendre nos trois enveloppes. Qui, vu qu'elles sont liées au café, vous voyez, elles sont un petit peu fragilisées. Je ne sais pas si on y va bien parce que on est en fin d'après-midi. Donc voilà. Donc on va les consolider. Donc on va mettre à l'intérieur. Donc ça c'est la petite qui vient à l'intérieur. Donc là dedans, je vais. Alors, celle-ci, c'est la troisième. Celle-ci, c'est la première. On va mettre à l'intérieur de celle-ci du micropore. Ça va la consolider. On va en mettre un petit peu. Donc, on va essayer de passer dessous et de mettre dans le coin. Voilà. Voilà, je le mets à l'intérieur. C'est surtout dans le coin parce qu'en fait, c'est là que ça va surtout être sollicité.
Donc c'est là qu'on va le consolider un peu. Je coupe ça. Je vais en mettre aussi de ce côté. Alors, je vais le rentrer. Hop là, c'est un petit peu... Alors, pour à la fois le mettre et à la fois que vous voyez bien. Voilà, c'est bien rentré à l'intérieur. Je vais couper ce qui est en trop. Là. Donc voilà. Ça, ensuite. Donc c'est celui-là qui va à l'intérieur. Celui-là va aller par-dessus. Donc je vais aussi le consolider. Alors après celui-là et celui-là va ensemble, donc c'est après une fois que j'aurai collé que je mettrai là. Je vais consolider ici aussi. Alors là du coup il a un petit peu découlé, donc c'est très bien. Donc comme ça je vais pouvoir... coller ici, là. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Voilà. Alors maintenant je vais en mettre ici. De bien dans le micro-port, c'est que c'est ça colle très bien et c'est très résistant, c'est très costaud, c'est très bien pour justement pour ce genre de petites choses. Donc voilà, hop, voilà. Je coupe ce qui est en trop. Alors par contre, ce qu'il y a de pas terrible dans ce genre d'enveloppe, c'est que derrière elles ont des petites, je sais pas si je vais vous montrer, des petits, voilà, vous voyez, elles ont trois petites, donc là, on va les, pareil, on va les consolider. Celle-là, c'est la première, donc la première va venir derrière, donc on la consolidera, je pense, à la fin. Oui, on la consolide, non, on va la consolider maintenant, donc je vais enlever ça, je vais enlever, du coup, ça. Et je vais mettre toute une bande. Et je vais en mettre toute une bande. Jusqu'au bord. Je vais venir au bord. J'espère que je ne suis pas hors champ, non ? Là, 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 et là, voilà, là, voilà, c'est bien consolidé, je coupe l'excédent. L'excédent de ce côté. Un petit peu au bord là, ça va pas trop, mais moi je le vois. Du coup, ça s'est collé dans mon ciseau. Là, ça me colle après les doigts.
Donc ça y est, c'est bien consolidé. Maintenant, elle vient comme ça. Donc maintenant, j'ai choisi de mettre sur le devant. J'ai choisi de mettre sur le devant un porte-étiquette, comme ceci. Alors, je vais le mettre tout de suite, tant que je peux manipuler, ouvrir, c'est plus facile, parce que sinon, après, tout à l'heure, ça va être compliqué. Donc, j'ai une petite étiquette, j'ai choisi une petite étiquette, j'ai découpé une petite étiquette pour mettre à l'intérieur. Donc, je vais d'abord coller mon étiquette. Alors, pour la coller, je vais quand même utiliser plutôt de la colle scotch sur le métal. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici, très peu. Hop. Et je vais prendre mon étiquette et je vais la coller assez droite de préférence ici. Voilà. Là. Et maintenant, je vais la coller ici. J'ai mis des petits repères. Hein, j'ai déjà. J'avais mis des petits repères. Donc, je vais prendre mon poinçon. Et je vais faire un trou ici. Ça a marqué comme j'ai des repères, j'ai pas besoin de mettre le porte-étiquette. Je fais un ou deux petits trous en essayant de l'agrandir pour que mon voilà. Là, c'est pareil. Là, donc maintenant, je prends mes petites attaches parisiennes. Je les mets dedans. Hop. J'ouvre dedans et j'écarte. Là, ensuite, je fais pareil avec l'autre. Je mets. Alors, oui, mon attache parisienne, là je vais au fond et je vais ouvrir là. Et voilà, mon étiquette est en place. Maintenant, comme dans mon enveloppe, je vais m'en servir pour glisser des choses dedans, pour pas justement que je m'accroche avec les attaches parisiennes. Je vais coller par-dessus un petit peu. Alors, c'est un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Je ne vais pas être facile de vous montrer, mais je colle à l'intérieur dessus du micro-port. Comme ça, quand je vais passer une étiquette ou quand je vais mettre les feuilles à l'intérieur, ça va pas accrocher puisque il y aura du micro-port dessus. Je pourrai pas accrocher mon attache parisienne avec le papier. Comme ça. Là. Voilà. Bien collé, bien appuyé. Elle bougera plus. Et donc, voilà. Ça, c'est fait. Voilà une chose de faite. Maintenant, ma spécialité, c'est d'oublier les rubans. Donc, moi, j'ai choisi pour ma fermeture, je pense que je vais prendre des rubans. Attendez, je ne les ai pas sortis. J'enlève tout ça. Ça, ça. Je vais prendre du ruban froissé. Donc, je vais prendre du ruban froissé. J'en ai. J'ai celui-là. Quelle taille? Parce que j'en ai beaucoup.
Celui-là, celui-là est un petit peu petit. Celui-là m'a l'air pas mal. Celui-là m'a l'air pas mal. Donc, je vais prendre du ruban froissé. Alors, je vais... Alors, celui-là, je vais le coller. Alors, mon ruban froissé. Je vais en prendre... Je ne sais pas, hein, pour faire un nœud. Un nœud, une boucle, j'en ai combien là? J'avais pas regardé, j'en ai pas mal. Sur celui-là, j'en ai... Oui, j'en ai... Je pense que 20, 25 cm, ce sera très bien. Oui, c'est bien. Je vais en prendre deux fois 25 cm. Je vais le couper. Et ici. Je vais le tirer jusque là. Et je vais le couper ici. Ça, je le range. Alors, je vais le mettre au milieu. Donc, il est comme ça. Donc, ici. Alors, je ne vous ai pas donné la taille de l'enveloppe, mais 22, ça n'a pas beaucoup de... Ce sera suivant la taille. En général, elles font toutes à peu près les mêmes dimensions. Hein. Donc ça ici, hop, et je vais faire le même repère ici pour l'autre. Alors, là c'est pareil, je colle avec... de la colle scotch au moins pour ça. Là. Là. Et je vais venir coller ici mon autre ruban. Je vais mettre de la colle là. Et je vais coller mon ruban ici. Yeah. Bien. Voilà. Eh bien, j'ai pas oublié les rubans. J'espère qu'il y en a assez. Oui. Hein. Hop, hop, hop. Ça va bien voir tout ça. Ça va bien permettre un peu plus. Enfin bon, ça ira. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai fixé mon porte-étiquette. J'ai mis mes rubans. Eh bien, maintenant, je vais commencer à coller mes enveloppes. Donc, je vais prendre ma colle de chez Action, qui est très bien, que j'aime bien. Je trouve colle très bien. Alors, je vais coller les deux dernières étiquettes, les deux dernières enveloppes ensemble, puisqu'elles vont venir toutes les deux comme ceci. Elles vont venir comme ceci. Et ce sont les deux qui vont rentrer dans la première. Donc, la première... celle qui a le porte-étiquette, je la mets de côté. Et ma deuxième et ma troisième, celle qui a le petit ruban là, avec la fermeture, je vais les coller, je vais juste coller les languettes l'une avec l'autre. Donc, je mets de la colle sur ma languette. J'espère que je suis claire. Si jamais je ne suis pas claire, vous n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions et j'y reprendrai évidemment sans problème. Alors, je vais fermer un peu pour que ce soit bien. Là. Et voilà, c'est bien.
c'est bien collé. Elles sont bien collées toutes les deux. L'une avec l'autre. Ah, je n'ai pas enlevé ça, j'aurais pu, ça fait rien. Je collerai par-dessus, c'est pas grave. J'aurais pu décoller la bande autocollante. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc voilà, mes deux étiquettes, mes deux enveloppes sont collées ensemble. Donc vous voyez, là j'ai assez de place pour pouvoir soulever, mettre quelque chose à l'intérieur et après pour pouvoir mettre mon livret. Donc là, pareil. Donc dans celle-ci, je vais, puisque c'est la deuxième, je vais d'abord la rentrer et ensuite on va la... Alors, je vais peut-être, je le collerai après, je vais m'en servir tant que c'est comme ça, ce sera plus facile. Donc je vais mettre de la colle dessous et je vais le rentrer et venir le coller. Donc je vais mettre de la colle ici, sur ce côté. Là par contre, je vais peut-être plutôt utiliser, comme c'est la couverture, ces deux ensemble, c'est celle du milieu, ça elle n'a pas beaucoup bougé. Être manipulée, mais celle-ci c'est celle de la couverture, donc je vais plutôt mettre de la scotch. Donc je mets de la colle. C'est tellement chaud que ça sèche, sitôt mis ça sèche. Alors je la rentre à l'intérieur de mon enveloppe. Et je pousse, alors là, et je pousse, je vérifie que, voilà, que tout est bien, hop, tout est bien comme il faut. Et voilà, donc ça y est, vous voyez, j'ai déjà fait mon ossature. Donc maintenant, là, tout est bien collé, là. Voilà, avant de recoller ça, je vais coller ici une bande de masking tape parce que c'est pas très joli. Alors on la verra pas trop, hein. Enfin on la verra surtout de ce côté. Parce que de ce côté on la verra pas, ce sera caché. De ce côté on la verra pas, ce sera caché. Mais ici, pour pas laisser ce bleu qui n'est pas très joli, je vais mettre du masking tape. Alors on peut coller aussi une bande de papier ou... Moi, je pense que le mieux, c'est le masking tape parce que ça on pourra bouger, on pourra fermer aisément. Donc, je mets mon... Alors, je vais partir de... Puisqu'après, on ne le voit pas, mais au moins d'ici. Alors. Alors, voilà. Là, et là, je vais la mettre... Très bien, et là je vais le rentrer après avec un petit, je vais le rentrer là pour le glisser dessous, voilà, comme ça, il est bien glissé en haut, et là je déroule, et je vais couper. Je vais couper, alors je vais essayer de couper à peu près ici, peut-être et là, je vais comme tout à l'heure soulever ça, coller là, soulever de l'autre côté et appuyer. Et ça y est, c'est bien collé. Maintenant, ce sera plus joli que, même si on voit un peu à travers, ce sera quand même plus joli. Bon, maintenant. Maintenant que c'est fait, que j'ai collé mes trois enveloppes, eh bien je vais, avant de fixer ça, je vais peut-être, vu que c'est encore un peu, je vais en profiter pour monter mes livrets et coller mes livrets. Donc là, on tourne. Voilà, masking tape, très bien. Voilà, comme ça, de l'autre côté, on ne le verra pas. De ce côté, c'est très bien. Alors, on va faire deux tas avec nos 10 feuilles. Nos 10 feuilles, on va les séparer en deux.
Et on va en mettre 5 d'un côté, 5 de l'autre. Avec mes 5 feuilles qui sont ici. Donc moi, je les ai... j'ai fait de la bordure, une bordure avec ma perfo. Ça, c'est avec la clip marque. Là, il n'y a rien. Hein. Ça, c'est une feuille d'écolier. Et puis, encore une feuille classique. Et là-dessus, j'ai juste imprimé mes petites notes et puis j'ai fait des lignes. Alors, la première, elle ne fait pas 20 cm puisque quand je la tournée, en fait, ce morceau, c'est le morceau qui va venir se glisser à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas fait 10 cm, ça aurait fait très très long pour aller, c'est pas facile. Donc là je l'ai fait, j'ai fait un petit, même peut-être que je la recouperai un peu tout à l'heure, je dirais. Et puis c'est pour la glisser à l'intérieur. Donc on met ces papiers tous ensemble. Mes 10 feuilles 21 par 20 sont pliées en deux. Donc elles font 21 par 10 maintenant. Je vais attraper mon fil et mon aiguille. Je les ai bien mises comme ça. Je vais les accrocher. J'attrape du fil, une aiguille et des petites pinces pour les accrocher. Alors, pour pas que ça bouge. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein, ça ne va pas beaucoup bouger. Hein. C'est quand il y en a une trentaine et qu'on met en plus une couverture où ça risque de bouger, là, en l'occurrence, ça risque pas grand-chose. Donc, je vais faire mes trous. Alors, j'ai un gabarit. J'ai un gabarit pour faire mes trous. Alors, je fais ma première... ma seconde ici et ensuite ma troisième ici. J'enlève une galerie et donc je pique au milieu, je laisse un petit peu de ficelle pour faire mon nœud. Ensuite, je pique en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. Je reviens par dedans. Je tire. Je vais venir jusqu'au fond. Je repasse par le trou là. Je récupère mon fil. Donc, hop, je tire bien. Et là, je vais re-rentrer par le trou du milieu. Le trou du milieu. Et là, j'enlève mon aiguille. J'enlève mon aiguille. Je passe le fil au milieu. Là. Et là, je vais faire un nœud. Et un autre nœud. Et je coupe. Donc ça, vous allez le faire deux fois. Puisqu'il y a deux livrets. Moi, pour pas perdre trop de temps... je l'ai déjà préparé. Donc j'ai ce petit bout là qui en fait va me servir pour aller rentrer mon livret et j'en ai fait un autre pareil avec le petit bout qui va se mettre aussi derrière. Donc je reprends mes enveloppes. Le premier livret, je vais le coller à l'intérieur. Alors je regarde si c'est pas trop long. Si c'est pas trop long, non, je pense que ça a l'air pas mal.
Alors là, je vais bien le couper, bien le tourner comme ça, puisque celui-là, évidemment, il revient hein, à l'intérieur. Celui qui venait ici, je le rabats et je le mets derrière, puisqu'il faut qu'il vienne devant, puisqu'il va rentrer de ce côté. Alors, on peut le couper en biseau. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais bien mettre... pas très droit. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. C'était pas très droit. Là. Ici, je vais mettre de la colle. Là, je mets ma colle de chez Action. Qui sera très bien pour ça. J'en mets partout. Dans les petits coins là, et maintenant je vais rentrer mon rabat à l'intérieur. Je vais le faire glisser, je vais le faire glisser jusque là à peu près, pas trop, bien qu'il soit bien centré. Là, je regarde qu'il soit à peu près bien centré. Et là, je viens bien mettre ça. Gêne un peu parce que de l'autre côté, il y a mon porte-étiquette. Et là, je regarde. C'est bien droit. Ça ne déborde pas. Et donc, le voilà. Comme ceci. Voilà, donc là, évidemment, on ne voit pas. Et donc là, je tourne mon enveloppe et je vais venir glisser le second livret que j'ai fait exactement pareil. Je vais venir le glisser de ce côté. Donc, je mets de la colle. Partout. Et je vais glisser à l'intérieur. Alors, hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Là. Et je vais me mettre à peu près ici. La colle. Je vais enlever après. Je vais faire en sorte que ça ne déborde pas, que je le rentre un peu plus, que je puisse fermer aisément. Je regarde, c'est impeccable. Et donc le voilà. Un peu de colle sur mon papier, c'est pas grave, ça va s'enlever. Et voilà. Là, je passe ma main à l'intérieur. Je regarde que ce soit bien mis. Là. Hop là. Je ne bouge pas les pieds. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons pratiquement terminé. Alors ça, on va le coller en dernier, puisqu'on va attendre que, voilà, il va aller mieux attendre qu'il y ait, comme il y a un petit peu d'épaisseur quand même, hein, avant de le coller pour bien que ça adhère bien. Donc voilà. Maintenant que nous avons fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire à coller du papier décor ici, ici et ici. Et ensuite, faire des pochettes ici. Et après, de la déco, ça ira. Alors, maintenant que ça s'est collé, je vais pouvoir mettre un petit peu de colle. Je vais mettre plutôt cette colle parce que... je vais coller ce qui là, voilà,
Là, c'est un petit peu décollé aussi. Un tout petit brin de colle. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre mon papier. Votre papier 30-30. Ce qu'il m'en reste, parce que j'ai commencé à couper. Et je vais venir couper mon papier. Alors, je prends un crayon, un peut-être un plus fin. Je vais venir couper. Alors, je vais le couper à peu près dans ce sens. Oui, je m'étais dit que dans ce sens, c'était sympa. Je vais le couper ici. Et ensuite... Je ne vous donne pas les dimensions puisque évidemment vous faites par rapport à votre enveloppe. Hein. On prend les dimensions directement sur l'enveloppe. Hein. Là. Là. Donc maintenant. Alors, l'enveloppe là, elle est collée, elle est pas droite, vous voyez. Ça part ici dans le coin et après ça va un petit peu incliner. Je vais mettre un peu plus bas. Donc moi je vais faire pareil. Hein. Je vais l'incliner un petit peu pour. Alors il faut qu'elle descende vers là. Donc je vais la couper un tout petit peu. Un tout petit peu sur à peu près, on va dire, sur 2 mm. D'un côté, qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter ? D'un côté, c'est à 0. Et ici, il faudra couper à peu près à 2 mm. Donc, je me mets au bout. Je me mets un tout petit peu là. Et je vais vraiment, c'est vraiment minime. Hein. Vous voyez, hein ? Là, il y a un cheveu. Et là, c'est un petit peu plus épais, mais... par rapport à ici, c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment pour que ce soit un tout petit peu en biais. Voilà. Et là, eh bien, je prends ma mesure. Pareil. Donc là, là, c'est pas mal. Et là, je vais couper. Ici, je vais couper ici, et là il faut que ça vienne ici. On va essayer de couper un petit peu en biais pareil. C'est pareil, c'est un petit peu en biais. Hop là, que je bouge pas trop. Je regarde. Ce que j'ai fait, c'est très bien. Donc maintenant, je vais arrondir mes deux coins. Hop. Avec le grand. J'arrondis ici. J'arrondis ici et du coup impeccable. Alors avant, je vais prendre mon tampon, je vais ancrer mes bords. Donc ça, vous allez le faire 3 fois pour les 3 intérieurs d'enveloppe. Moi, j'ancre mes bords. Après, si vous voulez, on peut faire avec la perforeuse, avec une perforatrice, on peut voilà, perforer pour que ce soit plus facile. Moi, je vais le laisser comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours faire une petite encoche pour permettre d'accéder à l'enveloppe plus facilement. Donc voilà. Une fois que nous avons fait ça,
eh bien, nous allons les coller. Alors, on va le coller là. J'avais même écrit derrière, pense au ruban, parce qu'évidemment, en général, une fois sur trois, on va dire, hein. Ouais, une fois sur trois, je colle mon papier quand je fais des junk ou des albums, et puis je dis, oh zut, j'ai encore oublié ma fermeture, mes rubans ou ce que je mets, hein. Souvent je zappe, je ne sais pas pourquoi, c'est pratiquement systématique. Et des fois même en mettant des petits repères, des petits pense-bêtes, j'arrive à oublier. Donc voilà, impeccable. Voilà, les poils. Ça là, on pourra glisser. Vous voyez, hein, ici, c'est quand même assez... Donc on pourrait, oui, faire une petite... Moi, je préfère le laisser comme ça. Après, rien ne vous empêche de mettre une petite encoche. Alors, j'avais préparé, je les ai notés parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille, comme celui-ci n'a pas tout à fait la même taille, puisque ce n'était pas la même enveloppe. J'avais été obligée de la bricoler. Là, je vais la coller. Ici, nous allons faire une pochette après. On va coller ça et puis je vais couper la vidéo et puis on va faire une deuxième vidéo parce que je pense que ça va être beaucoup trop long sinon. Il reste encore pas mal de bricoles à faire. On va faire les pochettes et la déco sur une dernière vidéo. Donc ça, je le mets là. Voilà, bon, alors, on a fait le plus gros de notre junk enveloppe. Maintenant, il nous reste encore les pochettes à faire, finir de fermer ça, et puis la déco. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye!